score nous satisfait surtout par le peu de buts qu'on a pris, 22, je pense que ça doit être notre record de la saison entre guillemets. Donc ça c'est vraiment positif, avec la bonne période qu'on avait fait, le bon match qu'on avait fait en défense aussi la semaine dernière. Donc là-dessus on est très content, ça veut dire que ça progresse. Ici c'est pas facile à jouer, la salle était pleine, un peu chaude, et il a fallu rester très concentré, même si on a pris un petit avantage en première mi-temps. On s'est relâché, ils sont revenus et on a réussi à, en deuxième mi-temps, à les laisser assez loin pour finir assez tranquillement en fin de compte. Belle défense parce qu'au final, on met beaucoup de buts sur contre-attaque. Donc on sait que quel que soit le sport, et ben, on gagne grâce à la défense et en ce moment, on défend vraiment bien. On a fait des changements un peu dans notre façon de défendre et on se rend compte que ça marche, donc il faut continuer comme ça. On s'était dit qu'il fallait vraiment qu'on soit rigoureux en défense. Qu'on monte l'intensité par rapport à ce qu'on avait pu faire au préalable. Et là, vraiment, on s'est appuyé sur une grosse défense. On les a vraiment mis en difficulté. Et ça nous a permis de marquer pas mal de buts en contre-attaque. Étant donné que leur défense était bien en place, et nous a posé pas mal de problèmes. On a mis du temps avant de trouver des solutions. Mais voilà, c'est une victoire, vraiment une belle victoire collective ce soir. On peut être satisfait de nous. Et voilà, maintenant, il reste 7 matchs de championnat, 7 matchs à gagner. On sait que ça va pas être facile, mais on va y aller. Il y a un gros match qui nous attend mercredi prochain et surtout ce week-end. Je suis très content parce que nous jouons à mieux qu'en avant. Et contre Saint-Raph et contre Nîmes, deux matchs que l'équipe joue ensemble. Et je pense nous progressons un peu plus. Maintenant, quel que soit le match, on n'a plus le droit de perdre. Donc maintenant, il faut se dire qu'on doit jouer tous les matchs comme des finales et se donner à fond et se faire plaisir surtout parce que jouer avec la pression, pas que la pression nous envahisse surtout et jouer en essayant de prendre du plaisir mais tout en se disant qu'il faut qu'on soit tous à notre meilleur niveau et tous très bons. Très important de match arrive et ça c'est très important pour l'équipe, les clubs et pour moi aussi bien sûr. Maintenant il ne faut pas qu'on se relâche, on l'a vu le match de Chambéry, on a eu un petit relâchement. Maintenant il faut pas que. Faut vraiment qu'on garde, qu'on prenne les matchs les uns après les autres et voilà qu'on reste concentré sur la suite.